Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail du personnage de la saison 4 de Apex Legends, la mort incarnée, à savoir Revenant. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons avant tout aborder qui est le passé de la société qui est à l'origine de la création du personnage de Revenant, à savoir Hammond Robotics et des projets qu'ils ont au sein de l'univers d'Apex Legends. Puis nous aborderons plus en détail le personnage, ses origines, son passé criminel qui reste flou, et enfin son arrivée dans les jeux d'Apex. Enfin, je terminerai cette vidéo avec l'avenir qui risque d'arriver avec la saison 5, et plus particulièrement avec le personnage de Loba qui a été révélé. Maintenant que cela est dit, entrons dans le vif du sujet. Les origines de Hammond Robotics ne datent pas d'Apex Legends. En effet, cette était déjà présente dans l'univers des jeux Titanfall. Baptisée Hammond Engineering, la société a été créée par le docteur Hammond il y a plus d'un siècle. Ils ont été les pionniers dans les techniques d'astronavigation, de sciences des matériaux et de nombreux autres domaines tels que l'ingénierie. Finalement, la société a été divisée en plusieurs divisions, telles que Hammond Robotics, aux côtés de la division d'armement Hammond, Hammond Aerospace et Hammond Industries. Hammond Robotics est un important sous-traitant de fabrication d'aérospatiale et de défense allié à l'IMC. Prétendant être à la pointe de la conception de robots depuis le XXe siècle, Hammond produit aujourd'hui des quantités considérables de matériaux de guerre pour l'IMC. Au sein du jeu Apex Legends, Hammond Robotics est toujours l'entreprise en arrière-plan qui a été responsable des changements de cartes et du chaos dans la saison 4 sur World's Edge avec leur nouvelle machine, le collecteur de planètes, qui est chargé de récolter l'énergie du noyau de la planète en question. Ils sont également le prédécesseur de l'organisation des jeux Apex aux côtés des Predators et de Kuben Blisk. Ils ont été également chargés de placer Forge, 5 fois champion de la fédération Hyperfighting au jeu Apex. Cependant, Forge a été tué par Revenant, le simulacrum fabriqué par la société pour se venger avant de rejoindre les jeux. Passons maintenant à notre personnage du moment, à savoir Revenant. Même si jusqu'à aujourd'hui son passé et ses origines restent inconnus, Revenant était autrefois originaire de la planète Solas et était considéré comme le meilleur assassin et mercenaire des terres sauvages. Employé par le syndicat mercenaire, il remplissait avec brio et violence les contrats et missions qui lui étaient assignés. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au cours de son existence, celui-ci a subi des transformations à son insu, orchestrées par le syndicat même et par Hammond Robotics. C'est sûrement pour ses qualités à effectuer ces missions que Revenant a été choisi pour le programme des simulacrums. Ce programme mis en place par Hammond Robotics, un simulacrum était à l'origine une sauvegarde numérique des souvenirs des connaissances et de la personnalité d'un individu sélectionné. Si leur fabrication reste inconnue, on sait que les simulacrums étaient avant tout utilisés par l'IMC et la milice pour sauvegarder la conscience des pilotes de Titan dont les corps d'origine étaient trop endommagés pour être réparés. Une copie de leur conscience est alors téléchargée dans un corps robotique à taille humaine, leur permettant de continuer à se battre. Ainsi, la conscience de la personne se voit toujours comme un être humain quand elle se reflète dans un miroir. Seulement, au cours d'un assassinat, le programme de Revenant a fini par défaillir, et il a alors compris ce que le syndicat et Hammond Robotics avaient fait de lui. Un cauchemar ambulant fait d'acier et de chair résiduelle. Ses maîtres le ressuscitaient en tant que simulacre, l'arrachant à l'étreinte de la mort, encore et encore, en le programmant pour oublier. Il a juré alors de traquer les responsables de sa transformation jusqu'au dernier, mais plus de 2 siècles ont passé et ils ont tous disparu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Hammond Robotics, cherchant aujourd'hui à revenir s'implanter dans les terres sauvages, la soif de vengeance de Revenant ne sera pas étanchée avant qu'il ait exterminé tous ses anciens employeurs. Et il ne se gênera pas pour éviscérer les légendes qui oseront se mettre à travers de son chemin. Revenant n'est plus le même qu'avant et il n'a plus besoin de désormais de raison pour tuer. Voilà donc, mes chers amis, l'histoire de Revenant, le cauchemar synthétique créé et programmé par Hammond Robotics.
Nous en apprenons également beaucoup plus sur l'univers et les projets de la saison 5 d'Apex Legends, avec notamment l'arrivée de Loba dans le jeu. Celle-ci revient en effet pour se venger de Revenant qui a détruit toute sa famille, et croyez-moi, il va se passer des règlements de compte au sein de la prochaine saison. Avec Loba qui veut tuer Revenant, Revenant qui veut se détruire Amon Robotics, et à mon avis, Amon Robotics qui a un plan bien précis pour reprendre les Terres Sauvages avec l'aide de l'IMC, notamment avec une immense armée de robots cachés dans le laboratoire de Wraith. Ces robots qui sont à l'origine en fait des simulacromes qui ont été camouflés durant tout ce temps. Et Loba a réussi à les découvrir, et nous en apprendrons beaucoup plus dans les jours à venir, et notamment dans la saison 5. Quoi qu'il en soit, les gens, cette vidéo a pu vous montrer qu'avec le personnage de Revenant, la réalité peut être faussée, tout comme la mort. Cependant, Revenant a pleinement conscience de ce qu'il est, et aujourd'hui, la mort arrive pour de bon. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à partager la vidéo, et bien évidemment, à vous abonner et à rejoindre mes réseaux sociaux. Je sortirai beaucoup plus de vidéos dans les prochains jours sur l'univers de Apex Legends, et notamment sur le programme qui va se révéler pour la saison 5, et également peut-être le futur de Apex. Merci à tous en tout cas, bon courage et prenez soin de vous. Au revoir.